Bonjour à tous et bienvenue chez Mike's Reptile Park. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une courte vidéo de présentation de notre toute dernière femelle, Goniosoma janssenii, née en captivité en 2021 chez Mike's Reptile Park. Je vais vous expliquer un petit peu l'historique de ces sujets. Donc moi j'ai rentré un couple importé que j'ai acclimaté et qui ont très vite trouvé preneur. La femelle nous a fait une ponte de 5 œufs et on a incubé ses œufs dans d'excellents paramètres. Il y a très peu de Goniosoma janssenii nés en captivité en Europe. Très peu, on peut le dire aussi, de Goniosoma oxycéphala nés en captivité, tout simplement parce que les incubations qui sont réalisées selon des paramètres qui ne sont pas forcément adaptés à cette espèce. Généralement, ils vont être incubés à des températures trop hautes, des températures qui vont se situer entre 28 et 30 degrés. Donc nous, on a incubé nos œufs à 25 degrés. Depuis la ponte jusque l'éclosion, la durée d'incubation a été de 125 jours. Dans ces 125 jours, on a incubé nos œufs pendant à peu près 100 jours à 25 degrés. Et puis avec les bonnes températures, l'augmentation de température des locaux, les températures d'incubation, on les a augmentées un petit peu à 27 degrés, plus ou moins les 3 dernières semaines. Et on a eu 5 super beaux bébés qui sont nés bien gros et surtout sans aucune difficulté. Alors je vais vous présenter cette dernière femelle. Alors Goniosoma janssenii, c'est une couleuvre asiatique qui va faire un changement ontogénique. Donc la couleur juvénile est totalement différente de la couleur que l'animal aura lorsqu'elle sera adulte, puisqu'elle arborera une coloration qui sera blanche, crème, avec différents motifs noirs. Alors, ces sujets, maintenant, ils ont déjà entre 7 et 8 repas, je pense que c'est leur 8e repas. Ils ont déjà fait 2 mues au sein des locaux, donc déjà bien grandi. Et on a été très fiers, même si c'est pas un couple reproducteur qui fait partie de notre propre élevage, même si on a acclimaté des sujets d'import, on est quand même surtout très content d'avoir réussi cette incubation de manière parfaite, puisqu'on a eu 100% de réussite et qu'il y a très peu de sujets disponibles en Europe. Sur les 5 sujets, ben, on en a déjà vendu 4 et je tenais fortement à ce que le dernier sujet soit une femelle disponible. Voilà, donc vous allez découvrir quelques photos et elle rejoindra notre webshop et Facebook aujourd'hui, notre webshop dès demain. À très bientôt chez Mike's Reptile Park. Thank you.